Gloire à Dieu. Ce soir, c'est ma soirée. La nuit de bénédiction. La nuit d'effusion. Une nuit spéciale pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour la session de réveil. Merci pour tout le monde, les membres, les dirigeants, les invités. Nous savons qu'aujourd'hui, tu n'abandonneras personne au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu secoues ce qui a secoué, touche la vie, transforme-nous. Seigneur, montre-toi de façon merveilleuse au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions sur bénédictions, les signes et les prodiges sur ton peuple et les désirs que nous avons dans le cœur. Seigneur, ce soir nous prions que tu les donnes à tous au nom de Jésus-Christ. La joie là où il y a la tristesse, le sourire, le rire là où il y a les larmes, les miracles là où il y a la misère. Nous savons qu'aujourd'hui, toute vie expérimentera cela au nom de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes déjà bénis, assoyez-vous. Nous allons à 1er roi 18. Je lis le verset 1. 1er roi 18. Nous lisons le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je suis que vous connaissez bien l'histoire. Il y avait la famine dans le pays. Il y avait la sécheresse dans le pays, le besoin dans le pays. Si vous pensez à la pauvreté, c'était là. Si on pense à la faim, c'était là. Quand on veut parler des besoins de leur vie, à vivre dans la pauvreté abjecte, c'était là. Mais maintenant, Dieu a dit que la famine là prendra fin. Que la faim va prendre fin. La pauvreté va prendre fin. Et ce soir, ce peut être un tournant décisif dans votre vie, un tournant décisif dans votre famille, et quelque chose de merveilleux et de grand va se produire dans votre famille, dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 a dit qu'il enverra la pluie, et dans ce chapitre, le verset 45, le chapitre n'a pas pris fin sans la pluie. Ce soir, n'allons pas terminer sans votre bénédiction, sans votre miracle. Et voyons le verset 45 qui dit que en peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut. Quelqu'un là-bas me dit, qu'est-ce que vous espérez ce soir? Une forte pluie. Et il y eut une forte pluie. Un grand miracle, une grande manifestation, une grande bénédiction, une grande effusion sur toute vie, sur toute famille, au nom de Jésus-Christ. Et il y eut, en peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Ce soir, nous allons voir le message qui est intitulé « La manifestation remarquable de la faveur divine ». La manifestation remarquable de la faveur divine. Ce que Dieu veut vous montrer ce soir, c'est la faveur du ciel. Ce qu'il veut semer dans votre vie ce soir, c'est la faveur du ciel. L'abondance que Dieu va déverser sur vous ce soir, c'est une faveur du ciel. Quelqu'un là-bas va recevoir la faveur et c'est déjà sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 33, nous lisons le verset 23. Les manifestations remarquables de la faveur divine. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur. Mettez votre nom là-bas,
rassasié de faveur. Je dis, mettez votre nom là-bas, Daniel, rassasié de faveur. Parce que Naphtali n'est plus là, c'est toi qui es là, c'est moi qui suis là. Et le Seigneur est dit que la faveur viendra sur vous et dit que tu seras rassasié de faveur. Amen. Et comblé des bénédictions du ciel. Amen. Vous serez comblé des bénédictions de l'Éternel ce soir. Prends possession de l'Occident et du Midi. Sur Asser, il dit, béni soit Asser entre les enfants d'Israël. Les familles ici ce soir, soyez bénis des enfants. Vous êtes mariés, vous cherchez le fruit des entrailles ce soir. Soyez bénis des enfants miracles. Qu'il soit agréable à ses frères. Vous serez agréable. À votre lieu de travail, vous serez agréable. Au marché, vous serez agréable. Et l'œuvre de votre main va avancer, prospérer au nom de Jésus-Christ. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Amen. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. Vous savez, les gens qui n'ont pas le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, autant leurs jours, autant leurs faiblesses, plus ils vieillissent, plus ils faiblissent, ils ne peuvent pas avoir la force pour le ministère des derniers temps et l'œuvre des derniers temps. Mais est-ce que je vous vois là-bas? Est-ce que je peux vous voir là-bas? Vous là, vous serez différents. Amen. Parce que c'est dit que tes verrous soient de fer et d'airain. Et oui, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi qui sera sous vos pieds. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Les porter sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Frère, vous allez demeurer en sécurité. Sœur, vous allez demeurer en sécurité. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux. Et suis tes larmes. Que tu es heureux. L'angoisse est ôtée. Que tu es heureux. Ta misère est oubliée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Amen. Toutes leurs menaces, c'est du mensonge. Toute leur vanité, c'est du mensonge. Et quiconque te dit que je vais t'éliminer, c'est un mensonge. Ils disent que tu ne vas pas passer à l'autre bord, c'est un mensonge. Ils disent que tous ces problèmes que tu portes, que va à la vie élevée, va à la vie profonde, va à la vie avancée, ce problème va demeurer là-bas, c'est un mensonge. Tes ennemis feront défaut devant toi ce soir, et tu fouleras leurs lieux élevés. Voyons les psaumes. Psaume 5, psaume chapitre 5, voir le verset 12. Vous êtes bénis ce soir, les choses sont changées dans votre vie ce soir. Verset 13, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Qu'est-ce qui viendra sur vous ce soir, la grâce? Qu'est-ce qui va aller au service avec vous demain, la grâce? Qu'est-ce qui sera sur vous dans votre quartier, sur vos enfants qui vont à l'école, sur votre femme qui va au marché, sur vos proches qui sont venus vous visiter, sur quiconque
se réfugie dans ta maison. La grâce, la faveur de Dieu. Ou ce soir, au temps de la prière, ce soir, l'heure de la prière, qu'est-ce qui viendra sur vous ce soir? La faveur de Dieu. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Le bouclier du Seigneur qui va te protéger, te préserver, va te couvrir de grâce, de faveur ce soir au nom de Jésus-Christ. Les manifestations remarquables de la faveur divine. Nous retournons à 1er Roi chapitre 18. 1er Roi 18. Nous allons voir trois points. Numéro 1. La promesse venant du Tout-Puissant. La promesse de la part du Tout-Puissant. 2. La préparation pour l'abondance. L'abondance vient. L'abondance surnaturelle. L'abondance matérielle. L'abondance professionnelle. La joie sur joie. La bonté sur bonté. L'abondance du Seigneur. Deuxième point. La préparation pour l'abondance. Troisième point. La prière avec assurance. La prière que nous allons faire ce soir, il n'y a pas de prière de doute. Il n'y a pas de prière d'incrédulité. J'attends votre amen. Amen. Il n'y a pas de prière de peut-être ou non. Ce soir, il y aura la confirmation. Votre vie aura la confirmation. Parce que ce sera la prière avec assurance. Dites-le-moi, la prière avec assurance. La prière avec assurance. Vous allez le voir de vos propres yeux. Vous le verrez dans votre vie. Vous le sentirez dans votre corps. Quelque chose de tangible va se produire à vous au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, donnez-moi le premier point là-bas. La promesse venant du Tout-Puissant. Nous retournons au 18. Retournons au premier roi. Premier roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Toutes les fois que la parole de Dieu vient à Élie, il sait qu'il y aura l'accomplissement. Vous devez avoir le même esprit, la même attitude. Vous devez avoir la même foi, la même attente. Que comme la parole de Dieu vient à vous, il y aura la manifestation ce soir. Il y aura l'accomplissement ce soir. Il dit, la parole de l'Éternel, ceci surpasse toute autre parole que vous aurez entendue. Ceci surpasse toute autre parole. Acab aurait parlé, les adorateurs de Baal auraient parlé, les paroles des mascarades auraient parlé, mais la parole du Seigneur surpasse tout. Toute parole que vous avez dans votre vie, toute parole que vous avez entendu quelqu'un dire, cette parole est prééminente et cette parole va surpasser, éclipser, ceci va submerger, ceci va engloutir, ceci va renverser toute autre parole que vous avez entendue dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Va, dans la troisième année, va, présente-toi devant Acab. Quand un prophète vient à vous et se présente devant vous, quelque chose va se produire. Où que Élie se présente, n'importe où il va, ce que vous avez remarqué, il s'est montré au torrent et les corbeaux étaient venus là-bas. Ils ont apporté la maison, la nourriture. Il s'est montré à la maison de la veuve qui ramassait des bois afin de pouvoir manger et mourir. Où qu'il se montre, le miracle se montre là-bas. Alors présente-toi devant Acab et le roi du pays, le roi de la nation. Et maintenant, un miracle pour tout Israël. Un miracle pour toute votre famille. Et ici, la promesse du Seigneur est ici. Il dit, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol, inconditionnellement. Ceci sera accompli. Ceci va se produire dans votre maison. Vous allez voir le rafraîchissement de cette pluie. Dans votre vie, vous allez voir le rafraîchissement de cette pluie. Parce que c'est dit ici. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Oui, la sécheresse prendra fin. La sécheresse, l'aridité n'aura plus lieu. Le découragement va prendre fin. La pénurie prendra fin.
Où que vienne le boulot là, ce doit venir. Où que les provisions viennent, ce doit venir à vous. Vous y croyez, si vous y croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Rappelez-vous, c'est la parole et c'est la promesse venant du Tout-Puissant. Je vais au nombre 23, nombre, chapitre 23. Je lis le verset 19 qui dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu a dit à Élie, présente-toi à Akab parce que je vais faire tomber la pluie sur le pays. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. Dieu ne change pas son avis. S'il a dit qu'il va te sauver, il ne va pas changer d'avis. S'il a dit qu'il va te guérir, il ne va pas changer ce qu'il a dit. Si Dieu t'a dit qu'il va pouvoir à tous tes besoins, il ne va pas changer d'avis. S'il a dit qu'il va essuyer tes larmes, il ne va pas changer d'avis. S'il dit que le rafraîchissement et la faveur viendront sur toi, il ne va pas changer d'avis. Ce sera fait. Je dis ce sera fait parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La parole de Dieu sera exécutée dans votre vie ce soir. L'accomplissement de la parole. La parole accomplie dans votre vie. La parole faite dans votre vie. Cela viendra sur vous. Psaume 105, verset 42. Psaume 105. Elle se rappelle de sa sainte alliance et Abraham, son serviteur, il se rappelait de sa sainte alliance. Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, c'est la parole sacrée. Quand il se souvient de sa parole sainte, c'est une prophétie sainte, c'est une promesse sacrée, c'est une déclaration sainte. Lorsque c'est saint, vous ne pouvez rien ôter de cela. Cela provient de la bouche du Tout-Puissant. Psaume 105, verset 42. Quand il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur, maintenant le Seigneur se rappelle. Il se rappelle Jésus, son serviteur. Il se souvient de Jésus, son fils. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Dieu va toujours se rappeler cela. Dieu va toujours se souvenir de cela. Votre tristesse a pris fin. La peine contre vous a pris fin. La condamnation a pris fin. Tous les fardeaux sur votre vie ont pris fin. Parce que c'est une sainte parole du Seigneur et ce doit s'accomplir. Et Dieu doit toujours se rappeler son Fils Jésus-Christ. Le verset 43 dit là-bas, il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Et vous fera sortir ce soir avec joie. Ses élus, au milieu des cris de joie, il leur donna les terres des nations. Et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Quelqu'un là-bas, dites-moi la dernière phrase, louez l'Éternel. Dites-moi ce que vous allez dire après la prière de ce soir, louez l'Éternel. Qu'est-ce qui va arriver dans le bus lorsque vous allez rentrer chez vous, louez l'Éternel. Dites-moi ce soir, avant de dormir, qu'est-ce qui va sortir de votre corps, louez l'Éternel. Vous allez louer l'Éternel, vous allez louer l'Éternel parce que l'abondance viendra sur votre vie. Les promesses du Seigneur viendront sur vous ce soir. Je veux que vous regardiez 2 Pierre 1. Nous allons voir le verset 3, 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance, c'est ainsi qu'il bénit les gens. Il bénit les gens selon sa puissance et non selon votre faiblesse. Ce n'est pas selon votre limitation, mais il bénit les gens selon sa puissance divine. Comme sa divine puissance vous a donné. Combien de choses vous a-t-il donné? Tout. Vous allez les réclamer ce soir.
Les bénédictions spirituelles, vous en aurez ce soir. Les bénédictions matérielles, vous en aurez ce soir. La guérison pour chaque cellule de votre corps, vous en aurez ce soir. De la tête jusqu'au bout de vos orteils, la santé, la guérison, la force au nom de Jésus-Christ. Le repos et la paix du cœur pour vous. Vous allez bien dormir comme un loir. Rien ne dérangera votre sommeil. Toutes les cauchemars qui sont ici, les choses qui vous dérangent, ces choses sont ôtées ce soir. Parce que, comme ça, ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, de ma part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants. Il n'y a pas de spectateur ce soir, que vous deveniez participants. Il n'y a pas d'admirateur ce soir, que vous deveniez participants. Il n'y a personne dans le coin et ils l'obtiennent. Moi, je n'ai rien. Non, vous êtes participants ce soir au nom de Jésus-Christ. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quelle attitude devez-vous avoir ce soir quand le Dieu Tout-Puissant vous donne une promesse? Quelle doit être la disposition de votre esprit quand le Dieu Tout-Puissant vous donne une promesse selon Romains? Romains chapitre 4. Ici, nous lisons au verset 18. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Tout ce qui est désespéré, alors il faut changer maintenant. Il y a l'espoir ce soir. Il faut plutôt renfrogner que votre foi montre que vous êtes une personne qui espère en Dieu. Il y a l'espoir pour vous ce soir. Je dis, il y a l'espoir pour vous ce soir. Il crut en sorte qu'il devint. Il crut en sorte qu'il devint. C'est-à-dire que vous quittez là où vous étiez. Et vous devenez quelque chose de nouveau, quelqu'un de différent. Je dis, vous allez devenir, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et ça faiblit dans la foi. Pourquoi? Oui, parce qu'il savait que le Dieu Tout-Puissant ne peut mentir. Et ça faiblit dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui a créé toute la terre du néant, et peut recréer son corps qui paraît mort. Et s'affaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Pensez-y, 100 ans, et plusieurs d'entre nous ne sont pas encore à ce niveau. S'il l'a fait pour lui, à 100 ans, il va le faire pour vous à 53. Il va le faire pour vous à 60 ans. Il va le faire pour vous à 90 ans. Au fait, même si vous allez au-delà de 100 ans, il le fera pour vous à 120 au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu dit que il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui doutent sont comme des gens qui se sont saoulés. À cause de cela, ils titubent. Non, nous n'avons pas bu de vin. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les sentiments de Christ. Nous avons les promesses de Dieu qui sont infaillibles. Et nous n'allons pas douter de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais il fut fortifié par la foi. Faisant quoi? Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, combien convaincu êtes-vous ce soir, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce soir, il peut. Et ce soir, le Dieu Tout-Puissant est capable. Il dit que je suis Dieu, je ne change pas. Vous savez, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelque chose de bon va vous arriver ce soir. Nous retournons maintenant au premier roi. Deuxième point maintenant.
la préparation pour l'abondance. La préparation pour l'abondance. Je veux que vous voyez 1 Roi 18, verset 2. Élie alla pour se présenter devant Akab. Regardez cela, c'est la préparation. Parce que le Seigneur lui a dit, va et présente-toi devant Akab. Il n'avait pas de pluie pendant ces 3 ans et demi. Et Dieu a dit que je vais faire tomber la pluie. Maintenant, va te montrer. Akab, il n'avait pas de doute dans son cœur. Et si je suis allé voir Akab et je lui ai fait la déclaration et rien ne s'est produit. Au fait, quelque chose doit se produire. Et si on prie, on dit que Dieu va le faire. Et si ce n'est pas fait, il ne faut pas en parler. Quelque chose va se produire. Dans votre vie, quelque chose va se passer. Un miracle viendra sur vous. Quelque chose va se passer. Et donc, il a dit, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie, verset 3. Et Akab fit appeler Abdia, chef de sa maison. Or, Abdia craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdia prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Oh Dieu, merci pour un homme comme Abdia. Dieu, merci pour un homme comme toi, que là où tu travailles, si les gens s'opposent à Dieu, au peuple de Dieu, tu vas te distinguer. Pendant que Jézabel tuait ses prophètes, Abdia a rassemblé ce qu'il peut faire et les a cachés dans une grotte et les nourrissait de pain et d'eau, jour et nuit. Et 5 Akab dit à Abdia, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents, peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdia alla seul par un autre chemin. Comme Abdia était en route, voici Élie le rencontra. Le prophète va vous rencontrer. Il va te rencontrer avec un message. Et dès que le message te parvient, cela prendra effet dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et Abdia, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. » Va dire à ton maître, voici Élie. Regardez ici. Voici Élie. Vous savez, il pourrait avoir peur. 3 ans et demi maintenant, il n'avait pas de pluie. Même le roi a quitté le trône et il cherchait de l'eau pour les animaux. Il dit que moi je vais ici, toi va là-bas. Et Élie n'avait pas peur et dit, va dire à ton maître que Élie est ici. Je prie que l'esprit d'Élie vienne sur vous. Que l'audace d'Élie vienne sur vous. Que le courage d'Élie vienne sur vous. Que vous ne marchiez pas la tête en bas. Alors, quel est le problème? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, il faut vous redresser et vous dressez bien les épaules. Vous regardez Abdia et vous l'annoncez. Je vais voir Akab ce jour. Et lorsque vous verrez Akab, le miracle va se produire. Et puis, voyez le verset 9 que dit. Et Abdia dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel vivant, il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé, c'est-à-dire Akab, n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, ouais, pour commencer, Élie était quelque part, il était au torrent, et il n'y avait pas de pénurie là-bas, il n'y avait pas de conflit là-bas,
Il était ouvert là-bas, au torrent là-bas. Mais Élie, mais Akab la cherche avec les gens. Alors ils ne l'ont jamais découvert. Ils n'ont jamais découvert Élie. Ils ne vont pas découvrir. Ils ne vont pas découvrir là où tu es. Ils ne vont pas voir ta maison. Ils ne vont pas la voir pour te faire du mal. Ta vie est sécurisée dans la main de Dieu Tout-Puissant. Et il est venu à la maison de la veuve. Et il ne savait pas que la dame là qui est simplement une veuve. Et il n'y avait pas de sécurité là-bas. Il n'y avait personne là-bas comme sécurité. Cependant, Élie ne l'a jamais vu. Comment vous croyez que ces gens vont vous voir? Il dit, comment croyez-vous que ces gens vont vous voir? Votre vie est sécurisée. Votre famille est sécurisée. Vos affaires sont sécurisées. Ils ne vont pas vous faire tomber. Je dis, ils ne vont pas nuire à vous. Quand ils disent qu'il n'est pas là, et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Verset 12. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Regardez ceci. Élie ne savait pas qu'il ne mourra pas, que l'Esprit de Dieu viendra l'enlever. Comme un aperçu de l'enlèvement. Et Élie ne savait pas cela, mais déjà, quelqu'un a appelé. Abdia a déjà prophétisé sur sa vie. Dans votre vie, sur votre vie, vos ennemis vont prophétiser. Les gens que vous dites qu'ils ne m'aiment pas, ils travaillent avec le roi Akab, ils travaillent avec ceci et ceci, cela. Ils ne peuvent rien dire de négatif sur vous. Tout ce qui est négatif sur votre vie sera neutralisé. Mais il y aura une puissante prophétie de leur bouche qui s'accomplira sur vous au nom de Jésus-Christ. Et puis il dit, et cependant ton serviteur craint l'Éternel. Et puis lorsque je t'aurai quitté, et l'Esprit te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. 15 dit, mais il dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai où? Devant Akab. Aujourd'hui, êtes-vous prêt pour aujourd'hui? Êtes-vous prêt pour aujourd'hui? Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Abdia étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Oui, allons au verset 21. 21 dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple. C'est ce qui est arrivé. Élie a dit, faut pas dire ça. C'est toi qui trouble Israël. Mais qu'il lui a commandé, il a donné un ordre au roi. Allez rassembler tous les gens. Et Akab maintenant est devenu le messager d'Élie. Ils vont vous rendre service. Je dis, ils vont vous rendre service. Apprêtez-vous. La parole d'autorité va sortir de votre bouche. La parole de puissance va sortir de votre bouche. Et Akab, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. C'est ce que Élie leur disait. Il leur disait que tu dis que tu sais le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Te voici, tu sais Baal. Mais pourquoi tu cloches des deux côtés? D'un côté tu as Dieu, l'autre côté tu vas vers Baal. Il leur disait ce que Jésus a dit
En Matthieu 6, verset 24, qui dit que nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est le message qu'il leur donnait. C'est le message qu'on a aujourd'hui. Nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Nous décidons pour Christ de tout notre cœur et pleinement, entièrement ce jour, au nom de Jésus-Christ. N'allons pas clocher des deux côtés. Et puis, Élie leur a donné un test, une épreuve. Vous, les prophètes de Baal, venez d'un côté, ils étaient en milliers, Élie était tout seul. Parfois, on dit que ces gens étaient en majorité, donc ils auront le vote. Mais Élie, tout seul avec Dieu, il était en majorité. Où que vous soyez, vous êtes du côté du Seigneur, vous êtes la majorité. Même si les autres sont en centaine, tu es toujours en majorité au nom de Jésus-Christ. 1 Rois 18, j'ai lu le verset 22. Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu des idoles et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, votre Dieu répondra par le feu. Le verset 30, finalement, ces gens-là, ils ont essayé, ils ont pleuré, ils se sont scarifiés, mais rien qui soit produit. Mais leur Dieu était des dieux morts, muets, sous-muets, et il n'y a rien qui se soit produit, il n'y a rien qui s'était produit. Mais quand certains croyants, ils craignent ceux qui adorent les idoles, ils craignent ceux qui adorent la lune, le bois et la pierre, et ces dieux ne peuvent ni faire du bien, ni faire de quelque chose de bienheureux. Mais notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Voyons le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il ne tremblait pas, il n'avait pas peur, il ne s'était pas inquiet, il ne s'était pas dérangé. Il savait que quelque chose va se produire. Ce soir, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas anxieux, vous n'avez pas peur. Vous savez que quelque chose va se produire. Est-ce que je parle de vous? Voilà le verset 31 et près 12 Pierre. D'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois. Tout seul, Dieu fera de vous un réformateur. Dieu fera de vous un homme de réveil. Dieu fera de vous un réparateur. Et dit, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez l'air sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois.
Et l'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, ben c'est une bonne soirée, c'est votre soirée. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacques et d'Israël, que l'on sache quand, que l'on sache, je dis quand, aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et à la fin de la prière, et aussitôt, aujourd'hui, le Seigneur exaucera rapidement. Le Seigneur vous accordera la requête de votre cœur au nom de Jésus-Christ. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, les gens vont voir le miracle sur votre vie ce soir. Quand tout le peuple vit cela, ils vont voir la guérison ce soir. Ils verront la manifestation ce soir. Ils verront la puissance là ce soir. Ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce soir, c'est la soirée là pour vous. La soirée de la manifestation, la soirée de puissance, le Seigneur nous a envoyé et il a dit, allez, quand vous allez, il y aura la manifestation de la faveur dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais nous cherchons la pluie, nous attendons la pluie, nous attendons la pluie de miracles, la pluie de puissance, la pluie de rafraîchissement, la pluie de réveil et la pluie là est sur le point de tomber maintenant. Je dis, la pluie là est sur le point de tomber maintenant. Troisième point, la prière avec assurance. La prière avec assurance. Nous allons à 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'avait même pas prié pour la pluie. Mais il avait l'assurance. On n'a même pas commencé la prière, mais il avait l'assurance. L'assurance qu'il aura l'accomplissement ce soir. L'assurance qu'il aura des miracles ce soir. L'assurance que l'abondance viendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Le verset 42. Revenons au verset 41. Et il dit à Acab, monte, dites-le moi, qu'est-ce que je suis là-bas? Monte, dites-le à haute voix, mangez, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Voilà le verset 42. Acab monta pour faire quoi? Dites-le moi. Acab monta pour, dites-le moi à haute voix. Il croyait à ça. Et dit, vois cet Élie là, je croyais qu'il était mon ennemi et tu n'es plus mon ennemi. Dis-moi tout ce que je peux faire, je vais le faire. Parce qu'il a vu la puissance. L'homme l'a prié. Le feu était descendu du ciel. Maintenant, il nous dit que la pluie va venir. Il a cru à ça. Acab n'aura pas une plus grande foi que vous. Acab ne peut pas, ne pouvait pas avoir une plus grande compréhension de la puissance miraculeuse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Regardez Acab qui acceptait la parole, sachant que cela va s'accomplir. Et Acab était monté et il allait manger. Et Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et priait, c'était sa position. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer.
Le serviteur monta, il regarda et dit, dites-le-moi, il n'y a rien. Ce soir, y aura-t-il quelque chose? Serez-vous comme ce serviteur, il n'y a rien. Et il dit, va encore, retourne, vous devez voir quelque chose. Les promesses de Dieu sont oui et amen, vous devez voir quelque chose ce soir. Dieu est le même, hier il n'a pas changé, vous devez voir quelque chose. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous devez voir quelque chose. Votre conscience vous dit, votre corps vous dit que quelque chose va se produire, vous devez voir quelque chose. Les écluses des cieux sont ouvertes sur vous, vous devez voir quelque chose. Le Dieu qui ne peut pas mentir, le Dieu qui dit, va te présenter à Akab que je ferai tomber la pluie, il n'a pas menti, il va le faire, vous devez voir quelque chose. Et il dit, va encore, il retourne, troisième fois, quatrième fois, Élie continue de dire que j'ai prié, tu dois voir quelque chose. Nous allons prier ce soir et vous devez voir quelque chose. Je verrai. Où êtes-vous? Je verrai. Je dis, où êtes-vous? Je verrai. Retourne. Elle dit, sept fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Un petit nuage. Mais on espère une abondance de pluie. Il a vu un petit nuage. Ça, c'est le commencement. La chose là va s'élargir. La chose là va se multiplier. La chose là va croître. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, montez, dit Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant dans ma vie, un peu d'instant dans votre vie ce soir, un peu d'instant dans votre famille ce soir, un peu d'instant sur la vie de l'enfant là à l'hôpital, un peu d'instant dans la vie de votre voisin qui fait votre souci, un peu d'instant. Le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Jacques chapitre 5, 17. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Nous allons prier ce soir. Et le ciel donnera sa pluie. Luc 18, 7. Luc 18, 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ce soir, promptement. Ce soir, promptement. Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 37. Hébreux 10. Verset 37 qui dit, Hébreux 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous allez recevoir la promesse ce soir. « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Et il ne tardera pas. Il viendra ce soir, il vous visitera ce soir, il le fera pour vous ce soir. Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7, voyons le verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, qu'est-ce qui va vous arriver? Quand est-ce que cela vous sera donné maintenant?
Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Est-ce qu'il va vous exaucer ce soir? Le fera-t-il pour vous ce soir? Car quiconque demande reçoit. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. C'est donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos frères, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ce soir, c'est la soirée là pour vous. Vos prières seront exaucées ce soir. De merveilleuses réponses ce soir, des miracles sur vous ce soir. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Vous allez lire cela pour vous-même. Lorsque vous verrez vous, là où il y a vous, vous mettrez moi. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Encore dites ça avec assurance. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Encore pour la troisième fois. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Quelque chose est déjà arrivé. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Maintenant, je vais à Ésaïe. Ésaïe 65. Nous allons le verset 24. Ésaïe 65, verset 24. Qui dit? Avant qu'il m'invoque, ce soir même, cela va s'accomplir dans votre vie. Dans votre vie, aujourd'hui, cela va se produire. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. La faveur ce soir, l'abondance ce soir, les miracles ce soir, les signes et les prodiges ce soir, la manifestation remarquable de la puissance de Dieu sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure maintenant, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Cela va s'accomplir. Quelqu'un là-bas, il faut le dire. Cela va s'accomplir. Avant que j'invoque, répétez cela, il répondra. Avant que je cesse de parler, il exaucera. Et cela va s'accomplir pour moi. Répétez encore, avant que j'invoque, il répondra. Avant que je cesse de parler, il exaucera. Il faut le dire maintenant encore. Verset 24, 1, 2, 3, allez-y. Avant que j'invoque, il répondra. Avant que je cesse de parler, il exaucera. Et quelqu'un crie Amen. Tenez-vous debout pour avoir la confirmation ce soir. Tenez-vous debout pour la confirmation parce que cela va se passer. Dites quelque chose. Faites déplacer la montagne là. Parlez à la montagne là. Cela va s'accomplir maintenant. Ce soir, c'est la soirée là. Ce soir, c'est la soirée d'une manifestation remarquable de la faveur divine sur votre vie. Sur votre vie. Vous êtes venu ici pour quelque chose. Vous aurez plus que ce que vous espérez. Vous aurez plus que ce que vous désirez. La puissance, le miracle, l'onction, l'autorité. C'est là ce soir. Pendant que vous parlez, pendant que vous êtes en train de parler, le Seigneur vous répondra. Il vous répondra. Avant que vous le cessiez, avant que tu ne cesses, la réponse viendra du ciel. La réponse viendra du ciel. La réponse viendra du ciel. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il ne faut pas accrocher des deux côtés. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu.
Le Seigneur est Dieu, l'Éternel est Dieu. Il est l'Éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Omnipotent. C'est lui qui ne faillit pas. A-t-il dit quelque chose et qu'il ne fait pas? A-t-il déclaré qu'il n'exécute pas cela? N'est-ce pas ce jour le jour de votre miracle? Ce jour n'est-il pas le jour de puissance? N'est-ce pas le jour de manifestation remarquable? Oui, oui, il en est ainsi. Parlez au Seigneur, c'est ça. C'est le jour du surnaturel. C'est le jour de grande puissance. C'est le jour de grande effusion. La famine va disparaître. La sécheresse va cesser. La pénurie va cesser. La pauvreté va cesser. C'est le jour de l'abondance. C'est le jour d'une puissante pluie. C'est le jour d'une grande pluie. Le jour de miracle. Le jour de puissance. Le jour d'onction. L'onction qui brise toujours. Et pendant que vous invoquez Dieu, il vous répondra. Il vous répondra. Il vous exaucera. Priez avec assurance, il vous exaucera. Même Akab a cru à la parole du prophète Élie. Va manger. Essuie les larmes. Essuie la tristesse. Ôtez toutes les doutes, tous les doutes. Ôtez toute la palpitation du cœur. Ôtez toute incrédulité. Ce soir, les prières sont exaucées. Il y a la manifestation ce soir. Il y a l'accomplissement ce soir. C'est ça. Cela vous arrivera. C'est ça. Cela viendra sur vous, là-bas, là où vous êtes. Cela va s'accomplir. Cela va arriver dans votre vie. Il faut jeter le problème, identifier le problème. Cela va partir cette nuit. Le problème va se déplacer ce soir. La maladie incurable guérit ce soir. Le chômage ôté ce soir. La stérilité ôté ce soir. Les larmes essuyées ce soir. Cela doit s'accomplir. Dans votre vie, ça doit s'accomplir ce soir. Dans votre famille, ça doit s'accomplir ce soir. La manifestation remarquable, l'accomplissement remarquable, les réponses remarquables à votre prière, les miracles remarquables, inoubliables, spectaculaires. Ce que Dieu fera ce soir, c'est la soirée de prière exaucée. C'est la nuit de manifestation. Une soirée de joie. Une soirée de louange adressée au Seigneur. De louange au Seigneur. Une soirée de rafraîchissement. C'est une soirée de faire déplacer toutes les montagnes. Que je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a la confirmation à toute prière que vous ferez ce soir, toute exigence que vous ferez ce soir, que vous demanderez ce soir, sera faite. Demandez et il vous sera donné.
cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui que vous appelez est fidèle et c'est lui qui le fera. Il est fidèle. Il est dépendable. Il est digne de confiance. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera ce soir. L'accomplissement ce soir. Manifestation ce soir. Réponse à vos prières ce soir. L'assurance ce soir. L'abondance ce soir. Il ne peut pas jouer. Il a plaidé le sang de Jésus, le nom de Jésus, et la parole d'assurance de la part de Jésus. Tout ce que tu demandes en mon nom, tout ce que spirituel, matériel, physique, domestique, professionnel, tout ce que vous demandez ce soir, il y a un accomplissement ce soir. Le feu était descendu. Aussitôt après la prière d'Élie. Et le miracle descend ce soir. Avec assurance, la manifestation ce soir. Vous êtes en train de prier le Dieu infaillible. Vous priez le Dieu qui ne peut jamais échouer. Espérez votre miracle de la part du Dieu qui ne peut échouer. Déplace cette montagne-là. Commandez à la chose mauvaise là de se déplacer. Ne laissez aucune pierre non tournée. Tout ce qui ne doit pas se trouver dans votre vie doit sortir ce jour. L'échec hors de votre vie. La défaite hors de votre vie. La maladie hors de votre vie. L'oppression hors de votre vie. La pauvreté hors de votre vie. Le chômage hors de votre vie. Stérilité sort. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il était fort dans la foi et donnait gloire à Dieu. Il avait la pleine conviction. Il avait la pleine conviction. Il avait la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi
l'accomplir. Il faut vous voir comme le favori du Seigneur ce soir et qu'il fait faveur à son favori. Il faut vous reconnaître comme étant le favori de Dieu ce soir et va vous déverser ses faveurs. Il donne ses faveurs à son favori. Vous savez que Dieu ne peut jamais faillir. Vous savez que vos prières sont exaucées ce soir. Vous savez que vous avez reçu ce que vous demandez ce soir. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Les miracles sur vous ce soir. Les prières exaucées, votre portion ce soir. Ces chaînes sont brisées. Les liens sont brisés. La corde qui vous lie d'une manière donnée est brisée. Les malédictions ôtées. Les jougs sont détruits. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu m'a exaucé. Le Seigneur m'a exaucé. Il y a la manifestation dans ma vie ce soir. Il y a le miracle dans ma vie ce soir. La joie est venue dans ma vie. L'assurance dans ma vie. Quelqu'un là-bas a son miracle. Où est la personne? Où est-elle? Une confirmation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui exauce la prière. Tu ne peux jamais décevoir ton peuple. Et tout le monde ici ce soir, frères et sœurs, garçons, filles, je prie qu'il y ait une transformation définie. Un miracle défini, une manifestation définie dans chaque vie ici ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'ont mentionné dans la prière, je prie Seigneur, donne-le leur au nom de Jésus-Christ. Cette montagne, et que vous dites qu'elle se déplace, Seigneur, on s'y accorde. Montagne, déplace-toi au nom de Jésus-Christ. Tous ces problèmes récurrents, intermittents, périodiques, je prie que ce soir soit la fin. Affranchis ton peuple. Brise toujours dans leur vie. Seigneur, je prie que tu accordes à tous la percée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais ouvrir les portes devant tout le monde. Je prie, Seigneur, que la pauvreté s'en aille. Que le chômage s'en aille. Que la stérilité s'en aille. Que la famine dans la vie là
s'en aille, ôte la famine au nom de Jésus-Christ. La provision pour toute la famille, l'abondance pour toute famille. Que tu essuies toutes les larmes. Je prie, Seigneur, que chaque chose définie qui t'ont demandé ici, confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. La maladie ne va pas rentrer à la maison avec personne ici. Mais la maladie, quel que soit le nom, maladie, quelle que soit la description, maladie, quelle que soit ta durée, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Attaque, l'affliction, l'oppression, le pouvoir démoniaque, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu transformes leur tristesse en joie. Essuie leurs larmes. Apporte la joie et le sourire dans chaque vie. Je prie qu'il y ait le miracle sous le monde. À ma gauche, à ma droite, devant moi, derrière moi, sur les étages, pour toute personne, qu'il ait la confirmation de miracle au nom de Jésus-Christ. L'abondance, une abondance de pluie, l'abondance de miracles, abondance de provisions, abondance de bienfaits, abondance aux réponses, abondance de réponses aux prières. Confirme cela dans chaque vie. Mets la chanson dans chaque bouche, le témoignage est dans chaque bouche. Seigneur, que tout le monde ici loue le Seigneur. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Gloire à Dieu. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus-Christ.